Depuis un certain temps, de pouvoir reformer un groupe pour pouvoir représenter ce qu'on avait déjà fait. Mais récemment, il y a environ un an, en décembre 2016, Christian Simard, qui est clavieriste chanteur, est décédé à ce moment-là. Là, ça a stimulé le fait que le groupe, on sentait le besoin de faire quelque chose. Et deux à remplacer un, en fait, parce que Christian non seulement chantait la plupart des chansons, mais jouait aussi du clavier. Et non, écoute, pour moi, c'est une belle découverte parce que, étonnamment, je connaissais pas toute l'œuvre de Morse Code, mais j'ai eu un fun à apprendre tout ça. Puis c'est hyper intéressant parce que ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des textes qui datent d'une quarantaine d'années, puis c'est encore très d'actualité. Et le style musical aussi m'a appelé, puis comme je dis souvent aussi, on dirait que ça a été écrit pour moi, c'est dans mes tonalités. Oui. On n'a pas changé aucune tonalité. Tout est naturel pour moi dans ce projet-là. Puis c'est extraordinaire. Avec les nouveaux venus, ça a été un plaisir. On a eu une avant-première à Québec le 19 janvier dernier. Ça a été merveilleux, une réaction extraordinaire. Là, on est prêts.